Salut tout le monde. Alors du coup on se retrouve le lendemain. Et donc on va aller chercher les mini poneys pour couper les crins, les sabots, les brosser, les voilà. Bah du coup on vous emmène avec nous. Donc je vais juste vous présenter ça. Donc ça c'est les longes qu'on a acheté exprès pour eux. Donc c'est deux longes noires basiques, voilà. Et on avait acheté deux Licol, sauf que bah c'était taille Shetland. Sauf que c'est beaucoup trop grand. Donc on a pris les Licol de Prudence. Donc c'était des Licol taille poulain. Je sais pas si vous imaginez la taille. Plus Rolf fait la taille de ma main. Donc on a pris ceux-là en attendant qu'on reçoive les autres parce que je les ai commandés ce matin. Et du coup comme vous pouvez le voir, la calèche est revenue à sa case départ. Donc on vous a pas menti, on est bien après voilà. Il pleut et que la calèche, bah, si elle reste dehors trop longtemps, enfin ça va pas être bon pour elle. Parce que c'est des mousses là-dedans et si ça imbibe trop d'eau, enfin après ça va être la merde et puis de toute façon elle servait pas. Donc bah elle est redescendue lundi ou mardi, je sais plus. Et bah du coup voilà, elle est à l'abri. Puis bah pour l'instant elle est en stand-by. Comme nous en fait. Du coup je voulais vous dire, enfin sur le chemin du pré, je vais vous expliquer un peu ce que j'ai fait ce matin. Du coup j'ai été les voir, j'ai été leur mettre une petite pierre de sel et essayer les Licol pour voir si ça allait. Bah comme vous savez du coup ça va nickel les Licol. Ils viennent déjà. L'hélico il s'est déjà retourné. Tu leur as mis une pierre de sel donc. Ah oui, ils arrivent au galop. Donc regarde, trop mignon. Et du coup j'ai réussi à mettre le Licol à hélico. Donc le noir c'est pour hélico. Et à jackpot j'ai eu un peu de mal, mais avec des friandises j'ai finalement réussi. Après je lui ai fait plein de gratouilles, je lui ai enlevé. Ah, attendez, on stoppe les explications. Non mais regardez, ils viennent au galop mais ils sont trop mignons. J'espère qu'ils vont s'arrêter. Oui, arrêtez-vous au fil les gars. Ouais c'est bon. C'est bon, on arrive. Ou ensuite j'ai installé la pierre de sel. Et donc ils ont peur. Ils avaient peur de la pierre de sel. Et une fois que, en fait, Illico tournait autour de la pierre de sel, Jackpot était un peu en retrait. Ils ont finalement trouvé la solution d'aller vers la pierre de sel et de la lécher et de la mordre à pleines dents. Et du coup finalement et ben, ils ont trop aimé et ils étaient encore après tout à l'heure. Enfin voilà, on va voir dans quel état elle est. Mais à mon avis il y a plein de traces de dents. Mouchour. C'est l'heure du glow up, les bébés. Oh, c'est qui termine un peu comme un bâtard là. Non, il boude. Ah, c'est quoi ça? Illico, mais c'est pas vrai. On vous fait un petit avant-après quand même, que vous voyez. Surtout les pieds et les... Bon, le pire c'est les pieds, je pense. Là, ils sont carrément. Voilà, c'est bien. Et... Ah, ce n'est pas à manger. La queue. Et la crinière de Jackpot, c'est carrément des dreadlocks.
Écoute, moi quand je coupe, je fais pas qu'à moitié, ça sert à rien. Tu ça va être horrible. Tu es en train de se dire, non, ne fais pas ça. Ah, mais j'y arrive. Je trouve qu'il y a une masse de ouf. Bah c'est ça, faut des épaissies. Voilà, donc atelier coiffure en cours d'avancement. Tu coupes, je pense en tirant dessus juste ça part. Sur le bout du rouleau. Eh bah t'as pas fini hein, parce que là il y a du taf hein. Et regardez moi mon magnifique travail. Quoi? C'est mimi ce que j'ai fait. T'as coupé là? T'as coupé beaucoup. Je suis dégoûtée. Eh ça tient hein. Oh yeah. Ça tient hein. C'est des dreads. Excellent. Et il doit dire mais attends, qu'est-ce qui se passe? Voix claire. T'as vu, j'ai des super gants. Il est pas bon. Oui, super. Mais oui. Tu touches pas. On n'a pas le droit de prendre les pieds. Qu'est-ce qui se passe? Il a un peu plus calme. Oui. Il a pu plier son genou. Oui. Oui. Tu arrives, Clarisse? Pas très beau, hein, mais c'est pas grave. C'est bien avec ta coupe là. Oui, mais gars, si tu veux. Franche là. C'est un combo, c'est gras et herbe. Oui, c'est bien. Franchement, leur queue de derrière, ça n'a rien à voir. Du coup, on a tenté de faire les pieds pour un peu couper parce que c'est un peu la catastrophe. Du coup, j'ai réussi à faire, enfin, on a réussi parce qu'on était trois quand même, à faire ceux de devant de illico. Alors, faire, c'est un bien grand mot, mais on a réussi à un peu couper donc c'est mieux. J'ai même réussi à un peu limer à la fin. Ceux de jackpot, c'est même pas la peine. Enfin, bref, j'irai tous les jours de toute façon pour. Essayer qu'ils me donnent les pieds. Puis de toute façon, le maréchal vient le 18, donc bah, ils passeront au maréchal les deux, et puis voilà. Et du coup, on les a remis au pré. Ils se sont jetés sur la pierre du sel. Et là, on va chercher les 4 gros pour les redescendre et faire la rencontre avec les mini. Allez, venez! Ah, ils ont bu. Lily! Ah, un Jack qui va se couler. Allez, venez! En Pinocchio,
il a peur de Lily. Oh le pauvre. Ne saute pas la levée, Ify, hein. Oui. On y va, on va les voir. Ify. Ils sont trop mimes. T'attaches un indien. On va les pousser là-bas. Ify. Laisse-le, Ify. Voilà, bah c'est bon, voilà, il s'en va. T'es amoureuse ? Doucement, les filles. Voilà, c'est bien. Doucement. Ify, elle ne sait pas que les nasses vont se prendre. Voilà, elle est là-bas. Elle est belle. Elle me fait peur, Lily. Oh, les pauvres bébés. Mais non, ça se passe. J'ai peur. Voilà, on va les laisser passer. Lily, elle fait chacun des deux, t'as vu? Oh, non mais je suis en stress. Va falloir les arrêter les juments parce que les poneys vont plus pouvoir. Hein. Là. Oh, oh. Là. Oh. Là. Oh. Là. Oh. Elle est belle. Lily, calme-toi ma Lily. Ify. Oh. Donc on va laisser passer les petits mais pas les gros. Oh. 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 Lily, oh, oh putain, Ify. Attends, si t'arrêtes Lily. Je suis désolée, j'ai pas mon licol. Stop. Non, 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 non. Ok. Non, 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 t'es attaché. Ify. Ify. Non. Faudrait que tu avances un peu pour dépasser Jackpot, que je vienne. Oui. Ah, il veut la sentir. J'ai eu peur. Hey, coucou! Coucou toi! Il a encore peur. Hein. Je suis en pleine concentration. Ouais, je comprends. Allez, mon Pinoc. Oh, Lily, elle recommence à courir. Tu viens, Pinoc? Tu y vas? Alors, Pinoc. Il a peur, Pinoc. Je vais bloquer Lily. Ouais. Parce que Lily, elle s'amène. C'est des nouveaux copains. Voilà. C'est plus calme, hein, tout de suite. Hein. Non, elle est belle. Non, elle est belle. Non.
Oh mon pote. Ouh. Non, 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 non. Je vais prendre Lily. Je veux bien, s'il te plaît. Oui, non, on les regarde un peu. Non, tu n'y vas pas, Ify. Oh. Ouais, c'est Cézanne. T'en fous bien bébé. Je vais la lâcher aussi, je pense, non? Regarde, elle a été virée les petits pour. Pour reprendre les ânes. Pour reprendre les ânes, ouais. Elle est posée, elle, ça va là, elle s'est un petit peu. Mais Lily, c'est parce qu'en fait, effectivement, elle domine. Bon, bah, c'était mouvementé avec la Juju, comme on s'y attendait, hein. Mais moi, ce que j'avais peur, c'est que Lily tape. Ça y est, voilà, voilà, cassez-vous. C'est bon, il a compris, Lily. C'est pas grave. Non, mais elle fait pas de mal, hein. Coucou. Alors, comment ça va? Allez voir. Oh, elle est belle, t'as vu? Elle l'empêche de y aller. On se calme, Ify. Non, 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 non. Elle est jus, là. Bah, ils vont se coincer. Doucement. Les anons. Imperturbable. Regarde, câlin. Câlin. Trop mimi. Quand vous êtes tous les deux, vous, ça va. Tu reviens, oui, reviens. Coucou. Vous allez être mieux que tous les deux. Ouais, oui. Avec c'est, pas les... pour, c'est pas pour longtemps, vous allez être avec tout le monde. Avec les copains. Ah, déjà, il a peur. Oh, Ify. Ify. Elle se mêle des affaires des autres. Oh. Ify, t'es mauvaise, hein. Tu vois, elle aussi, elle protège les sables. Oui. Ah oui, c'est ça. Ouais, ouais, c'est ça. Mais ça, c'est... C'est leur ah, ouais, ouais. C'est bon, Ify. Ah. Mais Lily, c'était pareil quand Ify est arrivée. Non. Regarde, Ify. Regarde, regarde. Ify qui va se mêler des affaires qu'il ne regarde pas. Ify. Ah eh eh. Elle veut sortir le petit. Il est autre, regarde. Qu'est-ce que je fais? Mais Binoc il se barre carrément. Ouais, il s'en va, il en a rien à foutre. Non! Toi tu y vas pas. Ah merde, ils vont se retrouver en saucisse. Ah, c'est bon. T'inquiète, ils sont tout petits, faut qu'ils se. J'ai eu peur. Ah, ils veulent retrouver les. Ouais, ouais, ils veulent aller aux ânes, illico. Ah, là, Ify, faites gaffe. Elle est jalouse pour nous et pour les ânes. Ouais. Ça ouais. Lily, elle s'en fout. Attendez, je vais y aller pour l'empêcher de venir. Non. Regarde, Illico, il y retourne, il va revoir les ânes. On enlève tout. Il y a un mur là. Non, bah voilà, il est sauté. Elle va revenir là. Je vais coincer Ify. Non. Non! Attends, parce que. C'est bon. Mais regarde ça! Ça l'énerve, hein! Ça l'énerve! Ça va, mais ça non? Mais. Elle revient? Non! 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 C'est pas vrai! Ah! Oh. Sauve-toi, Illico! Je la retiens, sauve-toi! Non! Mais Ify! Ah! Oh le beau! Merde! Merde, merde, merde! Voilà, ma vidéo est terminée. Donc il n'y a pas de mort, pas de blessé pour l'instant. Bon, les juments ont couru comme des folles, on les a arrêtés après. Je vous l'ai même pas dit qu'on avait fait que les juments au départ.
Parce qu'on s'est dit qu'avec les ânes, ça allait être l'anarchie totale. Mmh. On a fait que les juments d'abord. Donc elles ont couru, couru. Et donc on les a arrêtées, on les a fait sentir. Lily a fait ses petits cris de juments. Mais bon, ça c'est pas très très grave. Et voilà, après elles se sont calmées, elles ont brouté, tout le monde a brouté de son côté, les quatre. Et après on a mis les ânes. Et ensuite les ânes, et bah, fidèles à eux-mêmes, ils sont sentis. Et voilà, c'est tout. Eux, ils seraient restés dans leur coin à manger pendant que les deux petits mangeaient. Mais les juments ont mis leur grain de sel parce qu'elles ne voulaient pas que les ânes approchent les poneys. Ou le contraire, quoi. Et du coup, Ify nous a fait du cinéma. Alors, Lily a été très calme, là pour l'instant. Enfin, là, ça va, tout le monde mange. Et du coup, Ify, elle s'est mise d'un coup à agresser les poneys parce qu'ils allaient voir les ânes. Du coup, ils se sont retrouvés les six dans le chemin. Tout le monde a attaqué Jackpot. Bon, c'est pas très grave, un dieu l'a pas touché ni rien, mais tout le monde s'est senti agressé par tout le monde. Du coup, tout le monde tapait tout le monde. Mais on a chopé Ify, on l'a remise avec Lily. Là, ça a l'air d'aller. Ils mangent tous dans leur coin. Puis voilà, les ânes, j'ai pas grand chose à dire parce que eux, voilà, Pinocchio, ils les regardent, quoi. Et puis bah, voilà, ça va le faire de toute façon. On a laissé Nicole à Ify, j'irai lui enlever ce soir. Voilà. Du coup, je vous dis à la semaine prochaine. Bisous.